Bonjour Serge Martin. Bonjour Monsieur Cuche. Soyez le bienvenu. Ah ben c'est gentil. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, publiés toutes les semaines depuis 8 ans. Cette semaine, on en fait deux. Il y a un bonus. Ah, l'actualité sans doute. L'actualité. L'actualité, que l'actualité. Voilà, donc Serge, vous êtes au top de l'actualité. Donc vous rentrez au conseil municipal. Il paraît. Voilà. J'ai appris ça. Monsieur Altrad vous a laissé sa place. Il C'est a gentil. daigné vous laisser sa place après plusieurs années d'attente. C'est une. Hein? De ma part, non, mais c'est une lourde responsabilité. J'imagine. Donc vous êtes chef de projet à la Chambre de métiers Occitanie, Gare, depuis 2 ans. 53 ans, adhérent au PS, Plus maintenant. enfin ex-adhérent au PS, Voilà. viré, 35 ans de politique sans avoir de mandat, donc on attaque le premier mandat dans Et l'allégresse. il n'est jamais trop tard, hein. Dans l'allégresse? J'ai passé 35 ans à servir et maintenant je vais servir à une autre échelle. Dans l'allégresse, Oui. bah, c'est un moment important, donc De rentrer au avec. conseil municipal de Montpellier, c'est important? Non mais à ce moment-là de la situation politique, c'est. Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1099, les connards au tournant du mandat. Voilà, on attaque dans le dur, nous. Il faut que je commente? Oui ou non? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de prôner l'apaisement, la conciliation. C'est mon ADN politique, puisque c'est la social-démocratie. Et toutes les postures ou les propos qui clivent ont toujours une tendance à me gêner. Il y a un lourd passé à Montpellier. Ouais, je sais. Et c'est d'ailleurs, j'ai vu, vraiment, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais. Si, si, on peut y rentrer sur cette chaîne. Oui, je sais bien. Ailleurs, non, mais ici, on peut y rentrer. Non, moi, je comprends, enfin, je peux entendre que dans l'enthousiasme d'une réunion qui a duré 4 heures, une réunion publique, on puisse avoir un mot. Mais quand même, l'explication qui consiste à se plaindre des gens qui vous interpellent quand on est maire d'une ville, je trouve ça encore plus curieux, mais bon, dans le tact. Il faut faire les travaux. Et quand il y a des connards qui gueulent sur les travaux, faut leur expliquer. Vous êtes Faites connard, témoigner. vous aussi? Bon, Vous plaignez ou vous moi, plaignez je me pas? plains pas des travaux de manière générale. Voilà, les travaux sont nécessaires, certains, et d'autres le sont peut-être un peu moins, mais enfin bon. Bon, continuons. Enchaînons, comme on dit. Oui. Alors, un article très intéressant sur la com, sur le com plutôt. La solution à tous nos maux. Le com, le rapport des shifters contesté par Salvatore Nunez d'ACF. Là, il y a du lourd, là, parce qu'il y a un rapport qui est tombé. Le patron des ASF, il dit non, non, c'est de la daube. Entre deux, ils vont Je en... lirai ça avec attention parce Voilà. que j'ai cru comprendre que le com était l'alpha et l'oméga sur lequel se fondait toute la politique de mobilité des années à venir. Donc, Ça ne nous a pas échappé non plus. Alors ensuite, Jean-Marie Bailey, la rumeur court. Alors on a essayé de la rattraper. Vous savez, par rapport à l'ouverture, on parle d'ouverture aujourd'hui. Donc la rumeur court. Ensuite, on revient sur François Riault, là, le maire qui va être traversé par le com, la malédiction du chiffre 13. Voilà. Et pour terminer, une dernière petite mise en bouche, Didier Codorniu, Jean-Louis Aveco, politique, sport, business, dans le rugby du déjà vu. Ça vous Oui, mais inspire ça? bah, Ce mélange de tous les styles? le business dans le. Bon, de toute façon, le sport professionnel. Vous savez qu'avant d'être à la Chambre de métiers de l'artisanat du Gard, j'ai dirigé un des clubs de sport professionnel de l'agglomération. Donc, je sais C'était très quel bien. club? Le C'était quel club de club? basket. Vous en souvenez pas, tiens. C'est intéressant, ça. Ça m'échappe, Et ça m'échappe. oui, que je. Ouais, que j'avais eu à redresser, mais le sport professionnel aujourd'hui, il est lié forcément
aux affaires, c'est le nerf de l'argent dans le sport professionnel, c'est le nerf de la guerre. Donc rien d'étonnant à tout cela. Quand le politique s'en mêle, ça devient un peu plus compliqué. Bon, 5 minutes déjà qu'on parle. C'est On va bien. essayer de le faire un peu tendu. Si vous Hein? voulez. Moi, je suis à votre disposition. Donc, Serge, militant du PS des années 2000, a conseiller municipal de Montpellier sur la liste d'Altrad. Oui. Vous semblez ne pas avoir choisi l'itinéraire gâté des baby socialistes, les Delafosse, Julie Fraîche, Assaf, Calva. Pourquoi? Alors c'est vraiment un choix ça. C'est vraiment un choix. Non, non, c'est pas un choix. Ah si si, c'est vraiment un choix que j'ai fait assez tôt. Parce que dans mon parcours personnel, je ne voulais pas ni vivre de la politique, ni dépendre de la politique. C'est très compliqué parce que, et on le voit d'ailleurs sur certains aujourd'hui, quand vous dépendez de la politique, vous êtes amené à faire absolument tout pour conserver votre situation, parce que sinon vous n'êtes plus rien. Et donc moi, j'avais vraiment très vite fait un choix différent. Et il y avait une deuxième raison aussi, plus profonde, c'est que je voyais bien qu'il y avait une incompatibilité entre la volonté ou le désir de démarche collective. Quand on fait de la politique, on peut avoir ce désir de collectif qui, moi, m'anime vraiment. C'est comme ça que je suis heureux. D'un comportement très très clanique. Vous avez cité des noms, c'est exactement le même clan depuis des années. Et donc il y a une vision clanique et celle-ci ne me convenait pas, elle ne me convient toujours pas. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs en 2020 à faire les choix que j'ai fait. Donc vous n'avez pas fait le bon choix. Ah si? Non, je plaisantais. Hein. Ah, non mais j'ai vraiment En fait le quoi bon choix. êtes-vous vraiment différent d'eux? Eh bien vous l'avez dit, 35 ans de politique, j'ai jamais eu de mandat. Voilà, c'est. Il y en a d'autres, ils ont eu des Non, mandats mais avant de faire c'est. de la politique. C'est quand même sacrément. Qui, par exemple? La plupart des élus à Montpellier depuis 20 ans. Ils ont eu les mandats avant de faire de la politique. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PS est autiste à Montpellier pour en arriver à traiter les Montpelliérains de connards? C'est pas une forme de mépris, de suprême mépris, quoi. Je fais, et de toutes les façons, si vous n'êtes pas d'accord, ben vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des connards, quoi. En fait, moi je suis socialiste et démocrate. Je suis socialiste et démocrate. Ah ben eux aussi, ils sont sociaux-démocrates. Pas du tout. Ah bon? Ils sont sociaux Ah bah vous quoi? connaissez Ils pas sont l'histoire. sociaux quoi? Vous connaissez pas l'histoire. Non, non, ils ne sont pas sociaux-démocrates. Non, non. Il faut regarder l'histoire des congrès. Pas du tout. Ce que vous me dites est pas vrai. Prenez le maire de Montpellier, puisque j'ai quand même on a passé quelques années ensemble. Jusqu'en 2008, il est membre de l'aile gauche du parti. Congrès de 2008, d'ailleurs, c'est avec Benoît Hamon. Bon, Oui. il a toujours suivi Benoît, mais Mélenchon, il est dans la motion des amis de Mélenchon. Mélenchon part à ce moment-là, hein, mais il est dans la motion de Mélenchon jusqu'en 2008. Il s'est Donc c'est l'aile droitisé, gauche. là. Il s'est fraîchisé, Mais on va dire. non. 2008. Ensuite, 2000, 2018, il soutient Olivier Faure. Oui. Donc voilà, là on pourrait dire que c'est l'aile social-démocrate. Et puis on est contre la NUPES et contre toute alliance avec LFI, mais quand il y a le Front Populaire, on va soutenir les candidats LFI pour 15 jours plus tard manifester contre le soutien à LFI. Si vous arrivez à Ah vous oui, y non, moi retrouver, je m'y retrouve pas. on est bien d'accord. J'ai besoin de quelqu'un comme vous Bah, qui est un peu dans bah, la. donc. Qui est au cœur de la meule. Bah donc on a des positionnements qui varient en fonction de l'air du temps. Alors, expliquez-moi, la social-démocratie de Michaël Delafosse est-elle la même que celle de Carole Delga? Mais encore une fois, il n'y a aucune social-démocratie dans l'équipe actuelle. La social-démocratie, c'est un, travailler pour le bien du peuple, dans le bon sens du terme, dans l'intérêt du peuple. C'est l'écoute, c'est la conciliation, c'est le compromis. Est-ce que vous voyez un seul de ces ingrédients actuellement? Non, mais un seul. Même pas, allez,
On fait semblant. Même pas. Et d'ailleurs, l'expression, ce dont vous avez parlé, vous l'avez très bien dit, c'est je décide, je fais, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un connard, et en plus, vous êtes gonflé de venir m'interpeller. Donc, la social-démocratie, c'est pas ça. Alors, Carole Delga. Je répète ma question. Carole Delga, elle, quand je regarde et que je constate le parcours qu'elle a eu, oui, elle est exactement, elle, dans le courant et dans cette famille social-démocrate, mais pas Michel Delafosse, ni d'autres que vous avez cités, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas leur faire injure. Moi... Donc la politique de Carole Delga s'inscrit plus dans la social-démocratie, ah ben dans votre social-démocratie, que celle de Delafosse. Ah ben, enfin, y a aucune commune mesure, évidemment. Alors il y a des personnes que, depuis que vous avez pris la... enfin, que vous êtes rentré au conseil municipal, il y a des personnes qui ont retrouvé votre numéro de téléphone. Vous pouvez nous dire qui? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non, mais parce que ça, c'est très particulier, mais j'étais... J'avais retrouvé des anciens amis? Alors, il y a des anciens amis qui sont dans l'équipe municipale actuelle qui, eux, ont toujours gardé mon numéro et qui vous appelaient plus, mais qui... Si, si, si. Ah, il y en a qui m'appelaient toujours, il y en a qui ont retrouvé mon numéro. Non, ce qui m'a vraiment interpellé, quand je dis l'annonce est tombée, c'est qu'en 24 heures, j'ai absolument... Il y a des personnalités de tous les groupes politiques du conseil municipal, absolument tous les groupes, à part un, mais absolument tous les groupes. À part qui? J'ai pas eu de contact avec un élu du groupe communiste, mais ah oui. Voilà. Bah, mais on à part le numéro de téléphone. Non, 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 je pas. Non, mais en plus Hervé Martin. Vous... Mais j'ai eu des contacts avec absolument tous les, enfin, en tout cas des personnes de tous les groupes et des demandes de rendez-vous d'absolument. Ah oui. Tout le monde, donc c'est intéressant, ah oui. Que ce soit la majorité ou l'opposition. Oui. Alors, est-ce qu'on peut être opposant à Michel Delafosse en conseil municipal et en même temps soutenir tous les deux Lucie Casté comme première ministre? C'est très intéressant parce que merci. Là vous faites, non, mais vous faites référence à une dérive que je constate et qui me semble dangereuse. En gros, si vous êtes d'accord avec une posture, un positionnement politique au niveau national d'un maire, du maire, vous êtes obligé d'être d'accord avec lui sur sa manière de gérer la ville. Et si en revanche vous êtes en désaccord avec lui sur la politique nationale, vous devez être en opposition avec lui dans la gestion de la ville. Moi, sur le positionnement politique du maire de Montpellier, j'ai souvent été absolument d'accord avec lui. Je vous dis souvent parce que comme il change très souvent, je suis, et beaucoup de Montpelliérains peuvent être pris à contre-pied. Par contre, c'est pas parce que je serai d'accord avec lui sur tel et tel aspect de la politique nationale que je dois être d'accord avec la manière dont on gère la ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, tout le jeu du maire consiste justement à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ma gestion de la ville de Montpellier, c'est que vous êtes en désaccord avec mon positionnement politique. C'est faux. D'accord. Est-ce que vos engagements de gauche peuvent-ils vous permettre de rester avec vos deux anciens colistiers qui, eux, ont rejoint Horizon? Ah, c'est la question à 100 balles. En tout cas, je vais les rencontrer, je vais avoir un échange avec eux et je vais voir quel est leur... Vous savez, quand on a fait la liste avec... Alors d'abord, il faut savoir que dans mes deux comparses dont vous parlez, avec qui j'ai toujours de très bonnes relations et avec qui j'ai même de l'amitié, vous savez qu'il y a Salim Jawari que j'ai amené moi dans l'aventure avec Mohamed Altrad. C'est moi qui suis allé le chercher et qu'il est proposé à Moed Altrad, nous étions camarades. Il était adhérent de la 7e section de Montpellier, celle de Christian Bouillet. Donc c'était un camarade socialiste qui ensuite est parti chez les écologistes. Et quand en 2020 je lui propose de nous rejoindre, il était écologiste. Serge Guispin, lui, il venait des LR, hein, il avait été directeur de campagne de Jacques Domergue.
Mais c'est pas parce qu'on a. À partir du moment où on est avec des personnes, à partir du moment où le projet il est clair et que toutes les personnes se retrouvent dans ce projet et l'acceptent, eh ben, tout le monde rame dans le même sens. En 2020, sur la campagne des municipales, nous avions un programme social et écologiste très 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 marqué. Eh bien, Salim Jaouari avait toute sa place, puisque, encore une fois, ancien socialiste écologiste. Et Serge Guispin l'a accepté et nous a rejoint, enfin en tout cas était là déjà, mais l'a accepté en toute connaissance de cause. Leur parcours ensuite, eh ben, on en parlera et surtout pour la suite, pour l'avenir. En tout cas, oui. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Non mais si vous me posez la question de la politique nationale, non, je peux pas, j'ai refusé depuis le début de rentrer en Macronie, on va dire ça comme ça. Vous avez eu des approches? Vous avez Bah, été approché? souvent, dès le début d'ailleurs, je vous rappelle que j'étais proche de Patrick Vignal et que je l'avais Vous aviez fait aidé, sa campagne, si je me je souviens l'avais bien. aidé pour sa première élection. Et évidemment, quand la question de la naissance d'En Marche et de la candidature de Macron s'est mise, évidemment qu'il m'a sollicité. Mais je lui ai dit, mais vas-y, mais moi je reste dans ma famille. Donc non, non, je ne vais pas le faire maintenant alors qu'on est sur la fin de l'étoile filante. Est-il vrai que le maire a demandé à Moued Altrad de ne pas démissionner afin de vous empêcher d'être élu? Je suis incapable de répondre à cette question. D'accord. Moed, alors vraiment, pour qui j'ai du respect et de l'amitié, que j'ai vu deux fois récemment, a été très blessé des échanges qu'il y a eu durant l'été, vous savez, sur l'affaire du stade de rugby, mais vraiment blessé. Blessé par qui? Par les propos qui ont été tenus, a priori, par le vice-président au sport et le président de la métropole. D'accord. Mais je ne sais pas, voilà. Après, j'ai vu comme vous, je lui ai posé la question, hein, j'ai vu comme vous qu'il y avait eu un accord entre eux. Alors, je ne sais pas si c'est juste avant le deuxième tour ou juste après. Moued Altrad me l'a confirmé, mais il ne m'a pas dit quel était le contenu de cet accord. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Donc, est-ce que Moued Altrad a démissionné à cause des affaires de tension Non. liées au stade? Non, je pense pas. Très sincèrement, aucune affaire. C'est pas quelqu'un qui agit en fonction de pression ou de la pression. Il est assez imperméable à tout ça. C'est quelqu'un d'une solidité. Non, non. Non, non. Je pense, vraiment, très sincèrement, je sais que certains m'en ont parlé. Je suis persuadé que c'est pas vrai. En quelques mots, comment analysez-vous la gouvernance de la fosse? Enfin, vous qui êtes issu du Sérail, qui allez peut-être le rejoindre. Rejoindre qui? Comme Michael Delafosse? Oh, vous avez été approché, vous avez peut-être été Alors, approché par son groupe. je vais vous répondre. Alors, très simplement, j'ai refusé de monter à bord du Titanic quand il était au port. Pourquoi vous voulez que je monte maintenant dans le Titanic après qu'il ait touché l'iceberg? Non, Ça me paraît très curieux. parce que là, vous pensez qu'il en est là? Il a touché l'iceberg, mais il est pas, il coule ou il coule pas? Oui, même si l'orchestre continue à jouer, je pense que. Oui, je pense. Non, non, ça serait assez ubuesque, je pense, je trouve. Donc en quelques mots, sa gouvernance? Ben, au final, je connais Michael Delafosse depuis très très longtemps. Je trouve que l'aventure est. Il y a un côté un peu triste. Parce que c'est quelqu'un qui, depuis toujours, puis qu'il est adolescent, n'a rêvé que d'arriver à devenir maire de Montpellier. Il s'est vraiment absolument formé à la politique pour accéder à cette fonction. Et moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il a juste oublié pendant ses 30 ans d'acquérir les compétences nécessaires au pilotage de cette ville et de cette métropole. Donc on a là quelqu'un qui avait toute sa vie
désirer arriver à cette situation-là, mais qui ne sait pas, et qui n'arrive pas du tout à le gérer. C'est assez dommage. La défaillance majeure, elle est où? Aucune écoute. Je pense que, en tout cas, vraiment aucune écoute. Une rigidité morale qui est dommageable. Pire que Sorel? Oui, je pense. Je pense. Je pense parce que... Parce que sur ce canal, il nous l'a rabâché, ça. Oui, en gros, c'est moi ou Sorel, oui. Non, non, il nous a rabâché pendant la campagne, la dernière campagne, que la rigidité de Philippe Sorel. On ne peut pas... Enfin, encore une fois... Vous savez, le problème, c'est qu'on vit dans l'héritage de Georges Frêche. Et Georges Frêche était quelqu'un qui avait une forme de génie. Et il s'imagine... Ouais, enfin, bon, ça se discute. Oui, mais on a déjà eu cette discussion, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, Georges Frêche donnait l'impression de tout maîtriser. Vous savez, il donnait l'impression de tout maîtriser. Alors qu'en réalité, il y avait un énorme travail derrière et beaucoup de consultations. Moi, je me souviens sur des dossiers précis sur lesquels j'étais à l'époque président de l'association du quartier de la gare, et quand il s'agit de faire la deuxième ligne de tramway, celle qui passait place Carnot, il y avait vraiment un énorme travail de consultation. Et quand Georges Frêche assénait une décision comme ça qu'il semblait imposer, en réalité, tout le monde avait été consulté et tous les techniciens avaient été sollicités, et il y avait personne ne contestait parce que c'était acté. Mmh. Et ils reproduisent tous les mêmes schémas, mais sans reproduire le travail préparatoire et le travail en amont. Donc, en fait, c'est des ersatz. Donc, on va dans le mur. Mais non, Bon. Les Montpelliérains finiront par trouver un maire. Ils finiront par le trouver. Vous savez, quand après Georges Frêche, on a eu Hélène Mandroux. Je me souviens qu'Hélène Mandroux, elle avait été très critiquée dans son temps, et aujourd'hui tout le monde la regrette, parce qu'au final, quand on fait le bilan, on a eu 10 années avec Hélène Mandroux, 10 années d'une forme de sérénité, d'une forme de consensus de la population. Il n'y avait pas de clivage entre le centre-ville et les quartiers, il n'y avait pas de clivage entre les classes sociales, il y avait une forme d'adhésion malgré les critiques qu'on faisait. C'est fini. Vous voulez rajouter autre chose? Non, moi j'étais à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc Mais très bien, je vous remercie alors pour la qualité de cet entretien. Merci pour votre accueil.